Les amis, récemment je vous ai présenté Sicrac du centre de formation du PSG. Aujourd'hui, on file dans une autre capitale, on file en Espagne du côté du Real Madrid où je vais vous présenter 8 pépites de la Fabrica. Je ne vais pas vous présenter le fonctionnement de la Fabrica, car il y a à peu près 6 mois, j'ai dédié une vidéo entière à ce sujet. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Retour donc aujourd'hui sur 8 talents qui devraient dans les saisons à venir venir frapper à la porte de l'équipe première. Lucas Cañizares, donc je pense que ce nom vous évoque quelque chose, puisqu'il est bel et bien le fils de Santiago Cañizares, et comme son père, il est gardien de but. Son père est une légende espagnole, formé au Real Madrid, il a fait la plupart de sa carrière du côté de Valence. Son fils est en train de suivre le même parcours, puisque lui aussi est formé du côté de la Casablanca. Titulaire chez les U18, le jeune portier souhaite gravir les échelons dans les années à venir. Souhaitant faire la même carrière que son père, le jeune gardien de 17 ans sait qu'il sera attendu au tournant. Être le fils d'eux est toujours compliqué, encore plus quand c'est au Real Madrid, encore plus quand tu es gardien de but où la concurrence est féroce. Deuxième pépite de la Fabrica, Alvaro Carrillo, qui lui est un défenseur central. Évoluant au sein de l'équipe U18 du Real, Alvaro Carrillo reste l'un des plus grands talents des Merengues. Alors que son idole se nomme Sergio Ramos, le jeune défenseur se rêve à une même carrière que le capitaine madrilène. Et en plus d'être bon à la relance, on le sait dans le football moderne, la relance chez un défenseur est primordiale, il possède le meilleur jeu aérien de son équipe. Rares sont ceux qui ne lui prédisent pas un grand avenir, donc tout porte à croire qu'Alvaro Carrillo viendra frapper à la porte de l'équipe première dans les prochaines années. Et on continue avec Miguel Gutiérrez, le capitaine des U19 qui est latéral gauche. Il s'avance comme l'un des plus grands talents des Merengues et à seulement 18 ans, il a déjà toutes les qualités nécessaires pour être le parfait latéral gauche moderne. Percussion, dribble, rapidité, cardio, un latéral gauche très complet. En plus de ça, très solide défensivement, il est compliqué pour ses adversaires de remporter le moindre duel face à lui. Et en continuant sa progression dans les années à venir, le Real Madrid pourrait lui offrir quelques minutes de temps de jeu en équipe première. On passe maintenant au milieu de terrain avec Antonio Blanco. En fin de contrat en juin prochain, le Real Madrid devrait tout faire pour prolonger le bail d'Antonio Blanco. Avec la Castilla, le jeune milieu défensif est devenu un élément indispensable de son équipe. Alors qu'il va avoir 20 ans cet été, on peut déjà imaginer un avenir radieux pour l'international U19. Mais on le sait, le technicien français préfère le profil de Camavinga. Ce dernier coûte très cher. En cas d'échec dans ce dossier, peut-être que le français se ravisera sur le jeune espagnol. Milieu offensif Takuhiro Nakai. Depuis 2014, le japonais se régale au sein des équipes de jeunes du Real Madrid. Et avec Kubo, il est considéré comme la plus grande perle du football japonais. Nakai est très jeune, je rappelle qu'il a tout juste 16 ans, donc trop jeune pour intégrer l'équipe première du Real Madrid. Donc tout porte à croire que ce dernier va suivre l'exemple de Kubo, c'est-à-dire d'être prêté en Liga dans les prochaines années pour ensuite peut-être plus tard intégrer l'équipe première. Encore un milieu offensif, cette fois c'est Bruno Iglesias et il a lui aussi 16 ans. Et tout commence à aller très vite pour le jeune espagnol, puisqu'en décembre dernier, il s'est entraîné avec l'équipe première du Real Madrid. Et faisant partie des plus grands espoirs de la Casablanca, le milieu offensif pourrait rapidement faire parler de lui. Jamais le dernier lorsqu'il s'agit de se montrer décisif dans le dernier geste, il compte bien faire les beaux jours des Merengues dans le futur. Miguel Baiza, 20 ans. C'est un profil qu'adorent les entraîneurs et les milieux offensifs centres, mais peut également jouer sur les ailes. A contrario des milieux offensifs précédents, il a déjà 20 ans. Son contrat expire en juin prochain,
mais je pense que le Real va le prolonger. 10 buts, 5 passes décisives à la Castilla. Mais voilà, il a déjà 20 ans, donc il va falloir qu'il explose, qu'il soit peut-être prêté pour gagner de l'expérience et montrer à l'équipe première et à Zidane qu'il mérite peut-être une place en équipe première dans les années à venir. Et la dernière pépite que je vous présente est un attaquant, c'est Israel Salazar. Celui qu'on surnomme Salah est sûrement le plus gros talent au poste d'avant-centre de l'Académie madrilène. Meilleur buteur de son équipe, Israel Salazar rêve d'une grande carrière du côté du Real Madrid. 3 buts en 3 apparitions avec l'Espagne U17, le joueur de 16 ans sait se montrer décisif quand il le faut. Il est encore très jeune, contrairement à certains, il a 16 ans comme je le disais tout à l'heure, donc il faut qu'il continue tranquillement sa progression avant d'espérer arriver en équipe première. Voilà les amis pour cet épisode des jeunes pépites de la Fabrica du Real Madrid. Si vous avez aimé comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, c'est très important pour soutenir la chaîne. Dans les commentaires, dites-moi lequel d'entre eux intégrera le 11 du Real Madrid dans les prochaines années. Merci à tous et je vous dis donc à demain les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao !